Alors les amis, nous allons réparer notre erreur. Tout à l'heure, j'ai fait un mauvais choix ici. Je voulais pas faire confiance, je voulais faire la dispute et tout le bazar, et ça n'a pas marché. J'ai mal cliqué. Donc on va refaire. Ouais, on peut l'écraser. Attends, je suis avec quoi? Je suis avec nouveau là ou pas? Explorer les embranchements narratifs. Moment de détente au balcon, on peut pas faire plus loin. Donc je vais reprendre ici. Révéler de nouvelles zones sans écraser ma sauvegarde. Voilà, ça c'est bien. C'est parti, on continue comme ça les amis. Je vais essayer de faire débloquer cette branche que j'ai pas pu tout à l'heure. Ok, 2 jours plus tôt, Sacramento. Ah oui, on était sur le balcon, ça va, il faut pas tout refaire. Hein. Faut pas que je me plante cette fois-ci. Les déménageurs ont enfin confirmé. C'est bon. On décolle demain matin. Notre dernier coucher de soleil californien. On va débloquer la dispute et le divorce peut-être, je sais pas. J'ai été la première de ma famille à aller à l'université. J'oublierai jamais la fierté dans les yeux de ma mère quand elle m'a dit au revoir. Mais tu sais quoi? Jamais j'aurais imaginé à quel point je serais fière de revenir. Si seulement il n'y avait pas autant de choses à faire. Ah, il n'y a pas plus stressant qu'un déménagement. Il paraît qu'un divorce aussi, c'est stressant. Bon, voilà. On y est. Notre dernière nuit ici. Et ça fait une éternité qu'on n'a pas... Tu vois? Alors, qu'est-ce que tu dirais de marquer le coup? Au fait, t'as reçu un message. Ça parlait de... Chouquette, je crois. Pourquoi t'as... Attends... Tu lis mes messages dans mon dos? Alors c'est qui, ce Bruce? Mais voilà, il est là ton petit Bruce. Bon sang, Vince. On va voir qu'elle l'a trompé maintenant, je pense. Parfois, c'est personnel. Je te promets qu'il n'y a rien avec lui. Ça va gêner Zoé. Allô? Ah, c'est gentil, merci. J'ai adoré travailler avec toi aussi. Oh, je suis sûre que vous allez vous en sortir sans moi. Bonne chance à toi aussi. Au revoir. Oh, le petit sourire. C'était quelqu'un de la fac. Mais t'es parti il y a seulement 1 heure. J'y peux rien, moi, si je manque déjà à mes collègues. Et Bruce, c'est un collègue? Oui, c'est un collègue. Qu'est-ce que ça peut te faire? Papa? Zoé, il devrait être au lit. J'arrive pas à dormir. Papa? Oui, ma puce. On restera ensemble pour toujours, hein? Toi, moi et maman. Pourquoi tu demandes ça? Les parents d'Anna, ils faisaient que se disputer. Et maintenant, ils vivent plus ensemble. T'en fais pas, ma puce. Ça nous arrivera pas. Attention, faut pas que je me plante. Je crois que ça va être maintenant. Il y a un choix à faire. Hein. Tout. Et sinon... Ce fameux Bruce. Oh, c'est juste un prof de macroéconomie. On a bossé tous les deux sur la crise financière. C'est juste un... c'est pas grand chose. C'est à peu près tout. Oui, c'est ça. Tu m'as jamais parlé de lui. Il te plaît, non, il te plaît, c'est ça. Est-ce qu'il... Enfin, tu l'aimes bien, non? Il est intelligent et on bossait bien ensemble. Tu sais, c'est rare de se faire des amis dans ce milieu. C'est intelligent, professionnel. Un petit air à la Patrick Swayze, je vois le genre.
Oublie tout ça. Il faut pas que ça gâche notre dernière soirée. On va être bien occupés après. Non. Il y a quelque chose qui m'échappe. Tu finis plus tard que d'habitude en ce moment. C'est parce que... Allez, petit mensonge. Je vais changer d'établissement. Je veux laisser une bonne impression. La semaine dernière, tu m'as dit que t'étais resté corriger des copies, mais quand t'es rentré, tu sentais le vin. Ah, ça va être bientôt le... Vince, faut pas que je me trompe. Regarde-moi. Je sais que ça a été compliqué. Ça a été une année difficile pour nous deux. Mais je te promets qu'il ne s'est rien passé entre Bruce et moi. Je te promets. Est-ce que tu veux bien me croire? Ben moi, j'aurais bien aimé la croire, mais... Il y a quelque chose qui cloche. Michel, j'arrive pas à m'ôter du crâne l'idée que tu couches avec lui. Tu racontes n'importe quoi. Alors passe-moi ton téléphone. Quoi? Je veux jeter un coup d'œil à tes messages. T'as quelque chose à cacher? Non, bien sûr que non. Ben alors? Qu'est-ce qui t'arrive? C'était une erreur. Ah ben, tu vois, je te promets, je te promets. Tu vois, elle l'a trompé. Oh non. C'est vrai alors? Je sais pas quoi te dire. C'est arrivé, c'est tout. Ah, c'est terrible, hein. Depuis quand ça dure? Ça fait combien de temps que ça dure? Depuis fin janvier. Soirée de fin de semestre. Ça explique pourquoi tu finissais tard. Pourquoi tu rentrais en titubant. Les douches avant de te mettre au lit. J'ai merdé. Après l'accident, t'étais tellement... Ouais, c'est encore de sa faute, quoi. Tous les deux, et le mec, il a profité, l'autre salaud. Ah, le mec, il a envie de savoir pour souffrir un peu plus. Tous les jours. Tous les jours. Je sais pas, moi. Deux ou trois. Faudrait savoir. Deux ou trois. Ou plus. Trois fois. Écoute. C'était purement sexuel. Il n'y avait rien de plus entre nous. Tu m'as trahi. Tu peux tourner ça comme tu veux, Michel. Mais tu m'as trahi. Essaie pas de te trouver des excuses. Non, dis pas ça. S'il te plaît. Je me sentais rejetée. Ça fait des mois que tu m'as pas touchée. Tu me regardes à peine. Même regarder un film ensemble. Bah oui, ça va être de sa faute maintenant, c'est ça, tu vois. C'est toujours comme ça. Quand t'as perdu ton travail. Tu t'es renfermé. Tu fais comme si de rien n'était. Comme si t'avais pas besoin de parler, mais... Tu continues de t'isoler, je m'en rends bien compte. Tu me manquais, tu comprends? C'est pour ça que t'avais pas couché avec un autre, parce qu'il manquait. C'est pas ma faute. Comment tu peux rejeter la faute sur moi? Bah oui, c'est dégueulasse. J'essaie juste de t'expliquer ce que je ressens. Ouais. Ah, ça pipe, ça. Écoute, je sais que tu es blessé et en colère. Mais ce qui est fait est fait. Tu veux te venger? Mais rien ne t'empêche d'avoir aussi une aventure. C'est ça, tu vois, elle a rien foutre. C'est pas une solution. J'ai pas envie de coucher avec une autre. J'ai envie de coucher avec toi. Vince, j'ai fait une connerie. C'était stupide, mais c'est arrivé, d'accord? Une connerie, on peut la faire une fois, mais pas trois fois. Je pouvais revenir en arrière, je le ferai. Tu veux bien prendre le temps de discuter, au moins? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'asseoir, jeter le verre. Bah, il est en colère, c'est normal. Tu sais quoi? Pas te faire foutre. Non, t'as pas le droit de me parler comme ça, tu mais m'entends? C'est... Où est-ce que tu vas? Ouais, c'est ça, par quoi? C'est pas ça qui va arranger les choses, Michel.
Mais voilà les amis, c'est ainsi que je vais terminer ce mini-épisode. C'était juste pour voir la dispute avec Michel. Et voilà. J'espère que ça vous a plu quand même. C'est un peu dur à celle-là, mais bon. À la prochaine. Ciao, ciao.